match important en vue du maintien entre Nîmes 20e et Niort 19e. Des crocos sans victoire depuis la reprise avec un nul et 3 défaites. Tandis que Niort a connu un bilan un peu plus intéressant sur la même période avec 5 points pris sur 12 possibles. Malgré l'enjeu de la rencontre, les deux équipes ne ferment pas le jeu, des situations de part et d'autre. Le but sur pénalty pour le Nîmes Olympique inscrit par Malik Tchopounté à la 12e minute. Puis le 2-0 à la 17e, signé Pablo Pagis. Premier but en Ligue 2 BKT pour le jeune attaquant de 20 ans prêté par Lorient. Bon service de Nicolas Benezet et la justesse de Pablo Pagis pour tromper le gardien niortais Mathieu Michel. Derrière, Boutoba d'un joli coup franc porte le score à 2-1 à la demi-heure. Mais 5 minutes plus tard, Pablo Pagis s'offre un doublé dans les pas de son papa, Michael. Passé notamment par Nîmes entre 1999 et 2001 avec 25 buts à la clé. Pablo Pagis s'affirme en pointe de l'attaque gardoise. En deuxième période, Niort réduira l'écart à 3-2, mais les Crocos s'imposent bien dans ce match capital. Premier succès sous l'ère Fred Bompard qui permet aux Nîmois de céder la dernière place à leur adversaire du soir.